À Paris, un haut fonctionnaire du ministère de l'économie attend son heure pour passer à l'offensive. Il a mis la main sur le secret le mieux gardé d'HSBC, la liste des 100 000 clients qui détiennent un compte en Suisse. Ces documents lui ont été remis par un ancien informaticien de la banque. Ils révèlent en détail les circuits clandestins qui permettent de blanchir l'argent noir. On parle de 180 milliards d'euros, soit plus que le budget de l'Union européenne.